Alors Thomas, ça va bien ton bricolage? Ben, je suis pas capable de découper le papillon, les antennes sont trop petites. Bien sûr, dans le fond, là, tu prends les ciseaux par le bout ici. Ah shit, mais trop près de barre. Ouais, c'est ça. Ça, c'est des ciseaux gauchers. Oui. Ah! Tu vas y arriver, ok? Je te laisse deux petites secondes, puis hein? Vas-y. Est-ce que ça va? Non. Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a? J'ai de la misère à dessiner, mon papa. Ben, je l'ai jamais vu, ton papa, là, mais je sais pas. Moi non plus. Regarde, Jérémy, pour remplacer ton papa, je t'ai fait un papillon, pas d'antenne, parce qu'elle a dit s'embaucher. Regarde, vol. Ah. Hey, mais ça, c'est pas un papillon. Ça, c'est pas un papillon, hein? OK. Ça, c'est une libellule. C'est pas la même chose? Non. Il y a des petites différences. Es-tu vraiment traité mon progéniteur de libellule? C'était vraiment pas le but. Moi, je voulais l'appeler papillon. Non, je veux pas de chicane ici. On avait une belle ambiance, là. On avait une belle ambiance. On regarde ça. Il t'a pas abandonné, il est dans son cocon, puis il va revenir avec des ailes magnifiques. Oh! Moi, Jérémy, j'ai essayé de te faire un cœur en le découpant, mais je suis pas capable de découper, fait que c'est un rond. Mais peut-être que... Mais pour ton papa, tu pourrais peut-être juste l'imaginer, je sais pas. Je l'imagine mort. Oh! Avez-vous déjà dessiné ça des gens morts? Je voulais pas... Ah oui, on fait des tics dans les yeux! Moi, je vous avais demandé de dessiner votre animal préféré. Ici, on me dessine un papa mort. Ici, on me dessine une libellule, un papillon, je sais pas quoi. Là, j'aimerais ça que... Hein? On suit les consignes. Je veux pas pas de liminaire, hein? Excusez mon retard, madame, ça fait au moins 32 minutes que je suis derrière la porte, mais j'arrivais pas à l'ouvrir. Ça arrive à chaque fois que tu vas aux toilettes. Ok, ben tu veux-tu que je te donne un cours de comment ouvrir une porte, c'est quoi? Pas ça, t'es bien conne! C'est vraiment stupide! Voyons! C'est vraiment